Alors que le malheureux crie à l'injustice de son sort, de quel droit reproduit-il ce qui lui a fait du tort? Le malheur ne permet pas d'être injuste ou de se donner le droit d'être injuste, et le malheur est dans le droit, ni la loi, ni le juge. Le malheur se définit en philosophie comme un état prolongé d'insatisfaction. Tandis que l'injustice, concept négatif, se définit en opposition à la justice et tend à être un principe universel. Permettez-moi alors de reposer la question à ma manière. Se retrouver dans un état d'insatisfaction nous donne-t-il le droit de briser légitimement le principe fondamental qu'est la justice? On peut déjà se demander s'il existe un droit à l'injustice. Il existe dans notre société un contrat social érigé, enfin, c'est une notion qui a été érigée par plusieurs philosophes, principalement Rousseau. On parle de contrat social ou de pacte social pour désigner un accord imaginaire qui aurait été conclu entre les hommes et à l'origine de nos sociétés. Ce contrat permet de garantir des droits et libertés en l'échange du respect de certaines règles et de certains principes. Afin de garantir ce bel échange de procédés, nous avons mis en place des institutions qui garantissent les droits communs. À travers des constitutions, on les met parfois hors de nos mains. Et si vous me demandez si le malheur donne le droit d'être injuste, je vous réponds que le malheur n'est pas législateur. Vous connaissez tous certainement cette célèbre citation de John Stuart Mill. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est une façon de faire fonctionner la juste balance entre les droits et libertés dans notre société. Et c'est aussi ça, le contrat social. Mettre en péril cet équilibre en faisant du malheur notre législateur, c'est risquer de retourner à l'état de nature que Hobbes considérait comme un état de guerre permanente de chacun contre tous. Ou alors ce serait la dictature des émotions négatives. L'idée des philosophes que j'ai cités précédemment était aussi de lutter contre l'arbitraire. Donner le droit à l'injustice, justifiée par le malheur ou bien les émotions, c'est retourner à l'époque où le souverain qui se baladait dans son palais décidait d'envoyer à la Bastille celui dont l'habit un peu trop rouge le titille. En conclusion à cela, il n'y a pas de droit à l'injustice justifié par le malheur. Mais il est intéressant de se demander si on peut se donner le droit d'être injuste. Un exemple parlant, les tueurs en série, profils particuliers et parfois incompris, enfance désastreuse mène à des atrocités, à trop les citer, on en fait des séries Netflix, et en sortant du cinéma, on voudrait presque les prendre dans nos bras. Leur point commun est leur malheur qui mène au mal et aux erreurs. Presque héros de leur crime, ici, je les incrimine. Frustré et malheureux des relations avec sa mère, Ed Kemper tuera 7 jeunes femmes, dont sa propre mère et ses grands-parents. Mère prostituée alcoolique de 16 ans, tuteur chaotique, Charles Manson commanditera des dizaines de meurtres et violera des enfants, entre autres. Celui-là, peut-être que vous le connaissez. Marc Dutroux. Il enlèvera des enfants, brisera des vies et fera couler du sang. C'est vrai que son enfance était difficile. Père aux antécédents psychiatriques et volages. Mère incestueuse. Imaginez simplement que l'on puisse justifier toute injustice par l'argument de la dépossession de nos moyens. Eh bien, dans le merveilleux monde des Grecs subsistait le principe de blindness ou aveuglement, croyance que les dieux pouvaient faire descendre sur nos yeux un voile nous empêchant d'agir avec discernement et qui justifiait les crimes et les injustices. Les conséquences de cette croyance étaient des crimes restés impunis, et la viabilité de l'excuse dépendait également de l'auteur et de ses relations avec les juges et la société. Mais surtout, cela empêchait toute remise en question. Puisque je suis malheureux, je vais atteindre quelqu'un d'autre afin de me sentir mieux. Mais sachez que si on ne laisse pas le malheur donner droit à l'injustice, c'est également pour protéger les malheureux.
lorsque nos émotions nous dépassent et que nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes, devenir esclave de l'injustice mène à la double peine. Je vais vous démontrer que ce n'est pas une fatalité, que cela n'est qu'une différence de pensée et qui fait la différence entre les personnes qui étaient dans ma main gauche et les personnes qui sont dans ma main droite. Naissance dans la pauvreté, crise de 29. Nina Simone va vivre des injustices et du racisme. Pourtant, malgré cela, elle va les surmonter. Elle deviendra veuve dans un Moyen-Âge où devenir une femme, ou être une femme, où une femme ne vit qu'à travers son mari. Après cela, suivra des années et des années de malheurs et de désastres financiers. Malgré cela, elle va faire de son malheur une inspiration et elle deviendra une des premières femmes à vivre de sa plume. Isaac Wright. Condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, il va faire de ses années derrière le barreau des années de barreau. Il deviendra avocat afin de défendre les droits des autres. Véritable exemple de résilience, il a fait de son malheur une chance. Alors non, je refuse de dire que c'est une fatalité ou que ce n'est pas une réalité. Ici, on l'a démontré. Tout cela ne se base que sur une capacité de résilience. Les stoïciens considéraient que toute émotion était contrôlable. Alors peut-être que l'énergie que dégage le malheur est transformable. Le malheur qui mène à l'injustice n'est pas une fatalité. Il peut même devenir un tremplin, car plus vous tombez bas, plus vous avez d'élan pour rebondir.